Ça sonne ex-sorcière, parce que je préfère employer cette expression, ex-sorcière. Pour ne pas que vous les voyez encore comme des sorciers, parce que pour nous, leur image est aussi importante. Merci. J'aimerais inviter ceux que par vous qui avaient fait des aveux la dernière fois à venir ici. Nous allons achever le travail. Écrasons-lui au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Le diable n'a plus de pouvoir sur vous. Amen. Son règne vient de prendre fin. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. J'aime bien revenir sur les boucassés. C'est ça qui fatigue un peu les sorciers. Ils disent, mais ton affaire ne finit pas. Depuis deux jours, trois jours, c'est la même question qu'ils me posent. J'ai dit, mais je te pose la même question pour voir si tu es prêt à aller de l'avant avec moi. Donc ils vont révéler si certaines choses, et puis nous ferons aussi certaines choses pour que la famille soit totalement libérée. Voilà, ça c'est important. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. J'espère qu'elle comprenne très bien. Madame, donnez le micro, s'il vous plaît. Tu sais pas le micro, faut essayer. Est-ce qu'on apprend pour faire le micro? Quand tu as dit allô, là, ça, on va comprendre. Prends le micro. L'homme n'est pas fait pour parler au micro, on essaie. Quand elle dit allô, on va comprendre. Allô. Voilà, on a compris. Excusez-moi, je ne suis pas en train d'humilier les personnes. Je ne suis pas en train d'humilier les personnes. S'il vous plaît, un peu de calme derrière. Silence, silence, silence. Est-ce qu'on peut rester un peu calme de l'autre côté? S'il vous plaît, on suit ici. Hein. Amen. Je ne voyais pas ça comme une humiliation, non. Voyez ça comme une action de délivrance. Chaque homme de Dieu a sa manière de délivrer les gens. Surtout que la pratique, la sorcellerie, c'est comme ça, il faut faire les aveux. Pour que les gens sachent au moins pourquoi ils étaient maintenus dans ces difficultés. Ça va ouvrir les yeux de beaucoup de personnes, comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, tout ira mieux. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça va aussi édifier d'autres personnes, parce que les gens ont tellement entendu parler, ils ont appris. Il faudrait qu'ils apprennent fin, par la grâce de Dieu. Nous allons commencer ici le moment. Viens ici. Je vois qu'il n'est jamais me dit bonjour. Ça va? Prends le micro.
ne dis jamais bonjour. Oh, j'aime ton affaire. Et c'est qui en toi là que j'ai combattu. Moi, tu m'as gardé jusqu'à ce taroko. Voici ta famille. C'est une richesse. C'est la richesse que Dieu donne à l'homme, c'est la famille. C'est une grande richesse. Et je vois une très grande famille. Et ça, c'est important. Je ne vais jamais dire aux gens de te rejeter. C'est ton action, c'est ta manière de faire, et que les gens auront peur, peut-être. Voilà. Nous t'avons envoyé dans le Seigneur. C'est important. Et c'est Dieu qui va te blanchir après. Blanchir dans le sens où qui vont faire oublier ce que tu as fait. Et c'est ça. Il faudrait que les gens guérissent au travers des miracles, des blocages, des vies, des guérisons. C'est pour ça que nous sommes là. Donc tu vas dire ce que toi-même tu as fait. Jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, qu'on fasse, tu vas dire. J'espère que tu comprends mon français. T'as compris? Elle dit, t'as compris? Madame, je ne vais pas te dérire. Je te demande si tu as compris ce que j'ai dit. Ok, prends le micro. Pourquoi elle veut parler baoulé, bon traduit? Pourquoi elle se prend? Elle peut. Ah oui, le traducteur. Oui, c'est pour ça que je parle. Oui, c'est pour ça que je parle. Il faut lui dire qu'est-ce qu'elle a fait. Moi, par exemple, je dois lui dire à cette famille. Je dois lui dire je vais prendre un besoin. Pas le micro. Non. Je dois lui dire je vais prendre un besoin. Je dois lui dire que moi, quand on peut prendre quel micro, 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 quel micro. Qui t'avait donné ça? Mon maman. Grâce à ma maman. Ma tante. La tante, sa maman. T'as laissé français, mais. T'as laissé parler. Ils t'ont donné sorcellerie. Oui. Et quand tu as eu la sorcellerie, tu as fait quoi? J'ai tué mon frère. Combien de personnes? 5. Tu as tué qui et qui? Mon frère. Il n'a pas de nom? Jacob. Hein? Jacob. Jacob, c'est toi qui l'as tué. Oui. Comment? Pour parler, comment tu as tué Jacob? Et c'est le premier qui a fait que ça a tué. Et c'est le premier. Maladie. C'est maladie. Elle est devenue. Elle est devenue une maladie. Oui, quelle maladie? Elle n'a pas tué maladie. Elle n'a pas tué. Tu l'as tué. Hein? Oui. Tu as mangé? Oui. Ok. Tu as tué qui encore? Appelle-le. Tu n'as pas de nom? Simone. Simone. Oui. Tu l'as tué? Oui. Comment? Il y a une maladie. Maladie? Oui. Donc toi, tu as magasin de maladie. Tu l'as tué. Donc toi, oui. Comment tu fais pour donner maladie aux gens? C'est la nuit. La nuit? Oui, je m'en doute. Comment tu fais? Quand les gens dorment, toi tu fais comment pour rentrer dans la maison? Épervier. Hein? Épervier. Tu te transformes en épervier. Oui. Et puis tu rentres dans la maison. Oui. Et que tu fais quoi? Tu descends sur la toiture. Quand tu descends, tu te rentres en même temps dans la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Puis tu dors maladie à la personne que tu touches. Et la troisième personne t'a tué. Mon frère m'a oublié. Comment le nom des gens? C'est pas. Bertin. Bertin. Tu as tué qui encore? Ah, c'est toi. Quatrième, c'est qui? Thierry.
Dibi, Dibi, Dibi. Non, c'est quatre. Comment tu l'as tué? Maladie est venue. Elle est la cinquième personne. Et il y avait un Goran. Un Goran. À part tuer là, tu as gâté quoi dans la famille? Tu as gâté qui et qui? La famille là, elle dit elle a gâté la paix. Tu as gâté qui et qui? Elle m'a fait dire. Son pied là. Ouais. Comment tu as gâté son pied? Le bois est fait pour taper. Hein? Bois. Non, vous avez. Voilà. C'est buve, tu as dit. Hein, c'est bois. Oh. Quand un buve qui t'est transformé dans la nuit, tu l'as poigné. C'est ce que tu as dit. C'est pas bon. Papa, quand même, quand on a né. Bif. Oui, il peut la poigner la nuit. À part elle, tu as gâté qui? Kofi, elle m'a battu en gâté. J'ai pu voir pour taper son pied. Qui ça? Kofi. Il y a eu quoi sur son pied? La main de plus. Viens voir. Elle a cassé ton pied. Celui qui a fait la scène la nuit, ça va? Tu as fait quoi à son pied? Le bois est fait un petit. Pas petit, petit. Alors, sauter, c'est sauvage, hein? Tu as fait quoi encore? Je veux voir un peu le sérieux que tu mets dedans. Sinon, je connais. Je reviens un peu là-dessus. Aujourd'hui même, là, j'ai regardé ça, les vidéos. Mais c'est pas tout. Vous avez dit, tu es à cause d'une maladie de cœur. Il a dit. C'est l'argent qui est gâté. Madame, c'est moi qui vais plaisanter. Oh, est-ce que tu as fait? Pourquoi tu chantes ça aujourd'hui? Elle n'a jamais dit ça une fois ici. Alors, tout le monde sait ici. Pourquoi tu dis une chose ou tu dis pas une chose? Ouais, c'est pour ça que je reviens toujours sur les mêmes choses. Tu as dit ça la dernière fois, plus de trois fois, même à Zaroko. Tu dis que c'est toi qui lui as donné maladie de cœur. Tu vois ça? Quand on a ce coup, on avance ou on n'avance pas? Ça veut dire que tu ne veux pas changer, tu n'es même pas prêt à changer. Quand on a ce coup, c'est pas ce que tu as dit. Hein? Si tu fais, je te monter ta vie tout de suite. C'est dans l'ordinateur, je te monter ça tout de suite. Quand on a ce coup, quand? On te mettait On te mettait en famille. Ouais, ce qu'on appelle la maladie mystique, comment tu as fait pour donner maladie? Pendant qu'il était couché, il me s'est de la maladie. Oui. Tu as mis un crapaud en lui. Elle va clever, il 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 va
Nous sommes en train de finir un programme. Tu comprends? Nous sommes en train de finir ce que qu'on a commencé. Donc, on ne peut pas qu'on s'en contente de forcer. On ne te force pas. Nous sommes en train de finir. Et puis, officiellement, tu as demandé pardon. On va réconcilier. Je vais te montrer ta vidéo là. Vous voyez comment, quand dans la sorcellerie, on gâte sa famille, on gâte autour, et c'est pour ça que c'est dangereux. C'est ça qui nous sont. Tu as gâté celle-là? Et c'est lui qui a dit non. J'ai tué son enfant. Hein? J'ai tué son enfant. Son enfant comment? Il s'est venu. Je vais le tuer. Quoi d'autre encore? Moi, oui. Non, tu as pris son intelligence, tu l'as dormi vagabond. Tu n'as jamais dit ça? J'ai dit ça. Mais si tu crois que ça l'aime. Tu vois, non? Ça veut dire que tu n'es pas prêt à aller. Et tu as fait quoi encore? Où il est le petit? Amen. Hein? Ta fille. Oui. Sa tête là. Hein? Tu as fait quoi dans sa tête? Sa tête est venue sur sa tête. Pour les vilaines choses, tout ça. Au fait, je voulais te ramener à ça.
Je vais finir avec celle-là, puis on va aborder le sujet. Tiens, prends le micro. Je t'ai pressé pour parler. Tu étais sorcière. Tu as tué 16 personnes. Tu as tué mon petit frère. Tu as tué mon nom. Encore, il s'appelle ton Didi. Tu peux encore tuer mon nom. Et lui. Il fait comment pour tuer? Qui t'a donné ta sorcellerie? Où elle est? C'est toi. Dans le micro. C'est ton élève. On a là une de procès. C'est pas 40, il veut simplement. Oui, mais pas c'est toi. Le problème, il est où? Non, elle est fâchée. C'est qui t'a appelé la gamine est sortie. On lui a donné bonne chose aux enfants, on a donné des gnéni. On appelle ça gnéni. C'est gnéni. Je prends l'intelligence, vous j'étais. Pour l'intelligence, vous j'ai dit ça. Je suis sorcellerie, vous donnez. C'est gnéni. On a bien l'intelligence. Et c'est ça où j'étais. Oh, c'est gnéni, vous donnez aux gens. Pourquoi ça? Mais allons-y, qu'est-ce qui s'est passé encore? Tu as gâté quoi dans la vie, dans la famille? J'ai gâté ma femme. Elle s'appelle Afro. Où elle est? Tu as gâté quoi dans sa vie? J'ai gâté son mariage. Ton mariage, tu as fait comment? De moi, il a parlé. Il a mis le mariage. Tu l'as marié comment? Vas-y. Vous êtes deux femmes. Tu l'as marié comment? Dans le monde là-bas. Dans le monde là-bas, tu es garçon et femme. Tu as gâté qui encore? Et puis, elle a gâté ma tante encore. Elle est où? Elle est ici. Là, tu es venu manger l'enfant. Mais toi, maintenant, tu as gâté mariage. Ah, donc ta spécialité, c'est gâté mariage. Comment tu as gâté son mariage? J'ai mis caca chef. Regarde ça, Adjouvant. Adjouvant spirituel. Oui, tu as gâté quoi encore? Vous voyez, non? Les aveux là, ça doit vous instruire. Parce que ça vous dit, il y a des choses que vous trouvez, c'est plus anormal. Vous devez comprendre qu'il y a une main quelque part, invisible. Voilà. Ça vous éclaire, ça vous ouvre vous-même les yeux. Vous comprenez d'où vient votre problème. Voilà. Or, Jésus-Christ, quand Lazare est mort, ce qui intéressait Jésus, c'est pas la mort de Lazare. Vous l'avez mis Jésus, il dit, vous l'avez-vous mis? Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? C'est ce qui intéressait Jésus. Et Lazare a fait sortir, Jésus a fait sortir Lazare du tombeau. C'est ce qu'ils ont fait sur toi là, que Jésus va détruire. Or, si tu ne sais rien, il sera difficile d'aller très loin avec la délivrance. Les gens ne savent pas. Or, pour la délivrance, pour que la douleur soit approfondie, pour que ça soit total, il faut qu'on puisse savoir ce que les gens font sur toi. C'est le travail que les gens ne savent pas de faire. Ils ne font pas ça parfaitement. Il vient, il prie, et puis c'est tout. Or, nous, ce qui nous intéresse, d'où les sorciers ont mis votre intelligence, ce qu'ils ont fait sur vous, c'est ce qui nous intéresse, et quand on vient, on annule. Parce que la vie, elle fait de programmation et de programmation. C'est comme ça. Oui, tu as mis caca ciel, tu as fait quoi encore? Ça, c'est un assez dossier, ça va bien, hein? On a ça. Oui, enfantement. Tu as fait comment pour garder l'enfantement? J'ai mis cadenas. Cadenas. La fermée. Oui, et la clé, vous avez mis ça. Je vais dans monde. On va ramener ça vite, lui, casser ça. Tu as fait quoi encore? J'ai gardé ma tante encore. Elle est où? Elle n'est pas là. Elle est là. Est-ce qu'elle a gâté? Oui, elle a gâté son mariage. Oh, donc vous comprenez, hein, sa spécialité, c'est gâter mariage. Elle a une spécialité, elle est gâte mariage. Et puis, enfantement.
Tu as fait quoi, ciel? Les gars, ils sont barrés. Et puis, il a vendu son bras. Hein? Il a vendu son bras. Tu as vendu son bras? Oui. Où ça? Combien? Attends-moi le bras. Ok. Levez-vous. Tu as mangé? Elle avait faim, elle allait manger un ticket ça. Elle a mangé ça. Vous voyez les méfaits de la sorcellerie? La dernière fois, on a vu une dame ici dont sa mère envoyait des bandits pour l'agresser. Ici. Parce que ici, les microbes à Bobo l'ont agressé. C'est sa maman qui a envoyé pour qu'on la tue. Heureusement qu'elle avait prié. Donc son bras est devenu handicapé, sa propre mère. Puis elle a cassé mon papa. Hein? Mon papa. Oui. Oui. Ok. Tu as fait quoi sur ton père? Je l'aime dans la pompe. Ah, ok. Okay. Dieu va te délivrer. Ah, ça, c'est une belle. C'est une belle indice. Il a gagné ma tête. Il est parfait, là. Le parfum est sur lui. Et puis elle a gâté ma tante. Elle s'appelle Véronique. Où elle est? Elle est encore. Elle est encore. Ok. J'ai gâté son argent. Et puis son appareil. Son argent a mis maintenant le monde. Oui. Tu as fait quoi encore? Tu te m'as oublié. Moi, elle m'a oublié. Moi, elle m'a oublié. Ton mari, là. Allez-y, sur le temps, on est pris par le temps, on va aller vite. On va finir. Et puis, oui, je. Papa Nesto. C'est qui? Vas-y, c'est lui. C'est lui. T'as calé quoi? C'est le papi dans mon. Qui est mari? Qui est femme? C'est lui, on peut tous se passer. C'est une solution de foutaise, hein? C'est une foutaise. C'est une foutaise. Hein? C'est une maladie, c'est bête. Pas même, tu n'as pas la nuit. Elle te fatigue la nuit. Tu as fait quoi encore? Tu vois comment c'est bête, non? Compte là, tu sais qui est truc bizarre. Ils ont fait les choses bizarres. Tu as gâté ma tante encore. Ah, tu peux pas avec elle. La tante, c'est la main qui est là. Tu dis son nom? Tu as gâté qui? Eh, hey, allez-y. Tu as gâté qui? J'ai gâté ta fille Maï, son mari. Où elle est? Elle me boude là. Comme si c'était. Je vais parler avec elle. C'est elle qui me boude. Voici quelqu'un qui a gâté, je suis en train de sourire. Toi, tu dis dans la ville ici que je suis pas prophète. Comment c'est passé? C'est passé. Voilà. Et puis elle a gâté ma grosse. Où elle est? Elle est là. C'est qui? Julie. Tu as gâté quoi et quoi? Je viens de la société. Tu viens de la société? De la société. Tu as gâté qui encore? J'ai gâté ma grosse encore. Daisy. Peut-être qu'elle va passer au bac là. J'aime bien la vie, passe ton. Elle a eu finalement. Elle c'est quand elle a eu ça? L'année passée. Quand
frère a fini, les aveux. Non, frère était à Zaloko. Le frère était à Zaloko. C'est quand il était à Zaloko, là, il est parti. Il était verrouillé, c'est là-bas. C'était verrouillé, c'est là-bas. Vous avez vu que vous avez fait l'important de chercher Dieu. Alors, quand il était à Zaloko, eh bien. Il n'a pas eu le temps d'aller effacer les moyens. Mais quand c'est pour ça, tu échoues d'un point, il a dit bizarre. Demi-point, ça t'énerve. La société. Oui, allons-y. Encore, allez, tiens, bon. Yolande. Son travail est bien tenté. T'as gâté pratiquement toujours, c'est ça, moi. Vous voyez comment quand on est une personne. S'il vous plaît. Quand on est un sorcier dans une famille, c'est un danger. Parce qu'il gâte, détruit. Amen. Comment tu donnes une belle à ton pouvoir? Là, c'est comme ça. C'est l'île de fatigue, là. Toi, t'es tout dedans. C'est quelque chose, ça te fatigue, mais tu es dedans. Allons-y. Je viens d'acheter mon grand enfant encore. Il n'a pas de nom. Ça va être Fanny. Regardez son travail. Il travaille. Allons-y. On n'a pas assez de temps. Voilà. Nous allons bâtir. Dans bâtir, je suis dans bâtir, puis dans ma liste là. Et dans ce oui. Ok. On va revenir à faire des maquilles. Qu'est-ce que tu as fait? Non, qu'est-ce qu'elle a mis? Parce qu'on a déterré quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle a mis. Pourquoi il n'y a pas à son nom? Non, c'est bon, non. Vraiment, c'est autre chose. Je oui, il y a un cadenas, si un fétiche. Or, dans le fétiche, on a mis le cadenas, c'est sur. C'est le fétiche, et dans le fétiche, dans le colis, il y avait la tête d'un chat. Donc, c'est un chat noir. Comment tu as fait pour mettre ça? Et c'est vrai, pas possible, non? Dans la nuit, il s'est parti en tirer là-bas. Et c'est pourquoi? Je ne sais pas si c'est vrai. Je veux que ma vie puisse marcher. Et pourquoi? Et tu vois? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est tout? Nous qui l'avons, nous qui l'avons, quand on peut pas l'avoir. Tout qui est fait maquille. Tu as fermé le maquis. Et imagine, non, maquis, on a de bon. Voilà. Donc c'est une mystique. Et le maquis est très bien situé, mais je crois que ça va maintenant un peu. Ça commence à aller un peu. Je pense que pendant les vacances, on prépare un événement là-bas encore. On ira organiser un truc spécial sur vous. Voilà. Nous, on fera la promotion du maquis. Voilà. Ça, c'est clair. On fera la promotion de ce maquis. Oui, tu as fait quoi encore? C'est tout qui est fait maquis là-bas. Voilà, donc voici ta famille, qu'est-ce que tu dis? Je suis là. Aujourd'hui, je demande toute ta famille. Je demande de prier pour la famille, pour ceux qui ne sont pas les maris, qui sont les maris, ceux qui ne sont pas les femmes qui se marient, et que tous ceux
qui vraiment, j'ai pu prendre leur bonheur, va dire que je leur restitue leur bonheur. Tu as mal introduit. Non. Ah. Maintenant, tu as gâté. Pour les demander pardon. Ma prière. Je pense, c'est une église. Nous sommes tous chrétiens. Vous savez la prière de Jésus. Il dit pardonne nos péchés comme vous ne pouvez pas parler. D'ailleurs, je ne vais pas toucher. Pardonne nos péchés comme hein? Vous ne pouvez pas toucher ce côté-là. Pardonne nos péchés comme nous offensons. C'est très bien. Or, la Bible dit que ne vous bornez pas à écouter, mais les mains en pratique. Amen. C'est la pratique qui compte dans la chrétienté. Les mains en pratique. Amen. Jésus, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Arrivé à la croix, ce qui va intéresser Jésus avant de rendre l'âme, c'est de pardonner à ceux qui l'ont offensé lui-même. Jésus a connu la trahison.
Ceux qui étaient avec lui l'ont lâché à un moment donné. Ceux qui étaient avec lui l'ont livré. Mais Judas, Jésus a connu tout ça. Il a connu l'ignominie et tout ça. Mon fini, je te pardonne. Amen. C'était ça. Vous savez d'où viennent maintenant vos problèmes. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Elle a pris le temps de dire pardon. Je pense bien que c'est vrai que vous n'avez pas oublié. C'est ça, les gens pensent qu'on oublie. Mais je pense que Dieu fera de toute sorte que ça soit passé. Oui. Parce que je pense que Dieu agira puissamment en ouvrant les portes. Quand vous allez commencer à vous marier, quand vous allez commencer à connaître la gloire, vous allez voir ça comme du passé. Et ça serait un grand témoignage pour vous. Un grand témoignage. Et nous sommes à la recherche de ce témoignage. Voilà, c'est pour dire, elle a pardonné. Et soyons, vivons la parole de Dieu. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Elle a publiquement demandé pardon. Vous comprenez? C'est vrai que ça fait mal. Mais c'est ça. Il faut pardonner. Amen. Voilà, il faut pardonner. Je sais que ce n'est pas facile. Amen. Moi aussi, ce n'est pas facile. C'est ça. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite Jésus. Or, quand on dit traité, ça veut dire petit Christ. Vous devez démontrer votre maturité. Amen. C'est ça. Je vais vous donner l'exemple d'un grand homme, le pape Jean-Paul II. Vous savez qu'à un moment de sa vie, ils ont tiré sur lui. Hein? Ils ont tiré sur lui. Il a tiré sur lui. On a voulu mettre la personne en prison, il a refusé. Il a refusé. Il nous a donné un exemple puissant, c'est comme ça. La chrétienté, c'est pas dans la bouche. Elle a pris le temps de dire pardon. Nous devons pardonner. Amen. Ça ne serait pas si facile. Peut-être qu'on va avoir un regard bizarre. Peut-être les tourous en Afrique. Qui va commencer à marcher. Si vous voyez désormais Salaman, ce n'est pas elle. Si vous voyez Magua, tête rouge. Pardonner, c'est pas elle. Il y a des médicaments pour tuer ça. Si vous voyez Kafa, non. Il s'agit de maintenant de Dieu à l'œuvre dans vos vies. C'est une grâce. C'est pas donné à tout le monde. Son reçu des programmes, et puis des lâches. Il vient te dire, c'est moi qui fais ça. Ouh, c'est la grâce de Dieu. On prend cette grâce de Dieu, et puis accepte le pardon. Amen. Acceptez le pardon. Allez, acceptez le pardon. Et vous avez demandé officiellement pardon. Publiquement, je pense que ça c'est important. Des fois que le cœur soit chargé, vous devez libérer votre cœur afin que Dieu puisse agir puissamment. Je pense que c'est un nouveau départ. À partir d'aujourd'hui, on va en nouveau dans le au sein de cet homme. Oui, vous serez un témoignage. Il y aura des témoignages à la gloire de Dieu. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Tu verras tout ce que toi, ça peut se passer. On va t'écouter. Dans le micro. On vous demande pardon pour ce qui est fait pour votre mariage, votre enfantement, votre succès, votre élévation. Tout ta part, tout ce qui est fait. C'est tout ce qui est fait. Et démarrez-vous de mon pardon. Afin que Dieu fasse que tout ce qui est gâté puisse revenir. Au nom de Jésus. Oui. Amen. C'est une vie en société. Comme je vous disais tout à l'heure, si on choisissait par an, chacun allait choisir pour lui.
Mais malheureusement, on ne choisit pas. Dieu nous envoie des gens, il y a des gens qui sont bizarres. C'est le plan de Dieu. Amen. C'est un moment très important, avec plein d'émotions. Mais je pense que nous devons retenir l'essentiel. C'est quoi? C'est de pardonner. Or, c'est à partir de là vient l'état de miracle. Amen. Jésus l'a fait. Quand Judas venait, il savait qu'il a donné un baiser. Alléluia. Nous sommes tous chrétiens. C'est ça qui est plus important. Nous sommes chrétiens. Nous devons pardonner. Vous avez toute la grâce de Dieu. Malgré que Dieu avait pris, chipé les choses, tout ça. Mais le Seigneur a permis que ça, aujourd'hui, ça n'a pas mis à nu. Tout ce qui était en vue, le Seigneur a permis qu'on déterre tout ça. Tout cela, c'est vraiment un miracle de Dieu. Mais il faudrait qu'on sorte d'ici, qu'on comprenne. C'est vrai que du coup, on ne peut pas oublier, on ne pourra pas, mais je pense que la grâce de Dieu fera que cette grâce-là fera que vous entrez pleinement dans votre bénédiction. C'est ça qui est le plus important. Ce moment était vraiment important. À un moment, il faut accepter. Il faut accepter certaines choses. Amen. Moi, je suis dans les conseils. Je vais aussi donner les conseils. Votre manière de marcher, là, c'est ce qui fera que les gens vont peut-être comprendre que vous allez changer. C'est vrai que maintenant, là, vous ne pouvez pas les manger. C'est fini. Mais vous devez avoir un comportement. C'est-à-dire, le comportement qu'il devait avoir, là, c'est un comportement d'humilité. Vous devez être humble. Accepter de se rabaisser. Parce qu'à un moment de votre vie, vous avez gâté des gens. Donc, vous devez accepter de vous humilier. Or, c'est ce côté-là, les gens n'aiment pas trop. Or, si un vous pardonne, vous aussi, vous devez accepter de vous humilier. Même si vous attendez des choses, ça ne doit rien vous dire.